Oui, c'est une déception. Nous pensions que la page de l'unilatéralisme, de l'imprévisibilité, de la brutalité de l'annonce, du non-respect du partenaire, faisait partie du passé. Ce qui est en cause aujourd'hui, au-delà de la rupture d'un contrat industriel, la rupture brutale, inattendue, inexpliquée, de ce contrat qui date quand même de 2016 et qui était en cours de réalisation, ce qui compte là, maintenant, c'est d'abord la question de la rupture de confiance entre partenaires. Parce que la confiance, le partenariat, une alliance, ça veut dire la transparence, ça veut dire la prévisibilité, ça veut dire l'explication, ça veut dire se parler, ne pas se cacher, en particulier sur les sujets essentiels. Or, tout ça n'a pas été au rendez-vous. Et il va bien falloir qu'on s'en parle. Pourquoi ça n'a pas été au rendez-vous? Pourquoi l'avoir caché? Pourquoi avoir fait tout ça, j'allais dire, dans un coin, et de le rendre public sans prévenir personne? Et puis, le troisième sujet, le premier étant la rupture de ce contrat industriel, le troisième sujet, c'est la stratégie indo-pacifique. Que signifie cette orientation que nous considérons comme une orientation très confrontationnelle à l'encontre de la Chine, alors que nous considérons, les Européens, et nous avons en plus rendu publique notre stratégie indo-pacifique il y a quelques jours, je crois le lendemain de l'annonce de cette trilatéral AUKUS, nous considérons que certes il y a une compétition avec la Chine, certes il peut y avoir même un aspect militaire de cette compétition, parce que le fait de vouloir confisquer la mer de Chine méridionale n'est pas acceptable et qu'il importe parfois de répondre aussi de manière assez musclée à cette stratégie offensive de la Chine, mais il faut proposer aux acteurs de l'Indo-Pacifique une stratégie de compétition forte, de concurrence, assumée, pour qu'il y ait dans cette région un modèle alternatif qui puisse être proposé, chacun gardant sa souveraineté. Et donc l'Europe prenant toute sa part. Et pour l'instant, l'Europe est exclue de cette initiative.